Ok. Les gars, s'il vous plaît, vous laissez MS parler, c'est notre boss. Vous savez comment ça se passe en cuisine. Quand t'es un commis, t'es un commis, tu te tais, tu fais ce que le chef de cuisine te dit. Le chef, c'est MS, donc je vais entendre aucun de vous deux piaffer, là, comme à son habitude. C'est bien clair? Oui. Répétez après moi. Ouais, vu, je respecterai MS et je serai à l'écoute. Répétez. Ouais, mais t'es pas le chef, T'es pas le chef, mec. C'est qui le chef ici? C'est toi, MS. Merci. C'est tout. Voilà. Elle adorable. C'est une chef adorable, MS. Ok. Je remercie à vrai. Ouais. Vas-y, bah je lance la game et on t'écoute parce qu'on a jamais joué. Ok, pas de soucis. Vas-y. Il y a cliqué tout sur prêt, les gars. Ok, on y va. Bon, moi je dis, il y en a un qui fait cuire la viande et les petits, un qui fait cuire les petits pains. Moi je mets les assiettes là. Commence pas. Non, mais c'est bon. Oh. Respecte MS. Bon, moi je coupe le fromage. Vas-y. Alors attends, je vais aller voir un qui utilise l'extincteur. Oui. Alors, je prends une commande. Moi, je vais être serveur. Ok, moi, je fais quoi? Okay. Où je dois aller? Vas-y, chacun notre tour, tu nous dis. J'ai 4 cheeseburgers, chef. 4 cheeseburgers pour la 2, s'il vous plaît. Quiz. Pardon, je fais quoi? Les steaks. 4 cheeseburgers pour la 2, s'il vous plaît. Ta gueule, on a entendu. Ferme-la, bordel. Moi, je parle pas mal devant les clients, oh. Tais-toi. C'est qui ça? Mais les steaks, ils sont au frais, mec. Pourquoi tu mets les pains ici? C'est moi. Ah, pardon, excuse-moi. Pardon, mec. Non, c'est pas grave. Pardon. Danse pas devant les clients, t'es con quoi toi. C'est juste que j'ai la flemme de les mettre dans le four en fait. Excusez-moi, non mais je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Oh, ok, au boulot. 3. Non mais comment on connaît les commandes en vrai? C'est moi qui te les donne, je suis serveur. C'est cuit quand il est marron le truc? Ouais. Ok. Alors il nous reste encore une minute pour 4 cheeseburgers. Et moi je rajoute le fromage. Regarde, je t'ai fait tous les steaks, je suis vraiment un bête. Les gars, mettez pas les trucs par terre. Mais y'a rien par terre. Va divertir les clients. Mais toi, parce qu'il y a des rats qui arrivent et qui peuvent vous piquer la bouffe. Non. Là, y'a un rat là. Y'a des locliers qui arrivent. Je l'ai, c'est bon. C'est bon, je m'occupe des rats. Ok, toi, t'es le dératiseur, ça te va bien. Tu fais partie de deux, donc c'est très bien. On a un doigt là qui essaie de me planter avec un couteau. Au secours. Mais pourquoi t'as fait tomber tous les pains? Ah, c'est bon. Chef, vous avez fait tomber tous les pains, vous avez pas honte? Ils sont encore comestibles. Y'a le feu! C'est l'arrivée des 10 secondes. Les gars, c'est l'arrivée des 10 secondes. Les pains sont restés moins de 10 secondes au sol, ils sont encore comestibles. Ouais, c'est la règle des 3 secondes. Ah, c'est 3 secondes. Va mettre à la poubelle, va mettre à la poubelle. 5 secondes, ça marche aussi. J'ai mis du charbon par terre, va allumer les chichas des clients. Les chichas? Les chichas des clients, va allumer les chichas des clients, j'ai mis le charbon par terre, allez. Monsieur, vous avez... J'ai deux hamburgers et un cheeseburger pour la 2, maniez-vous. C'est noté. Ok, hamburger. Ok. Mais pourquoi y'a des steaks brûlés par terre? Hamburger, il faut quoi avec? Y'a quoi dedans? C'est juste tu peins un steak et tu peins. Brûlé. Ok, vas-y, un steak et du pain. Y'a un rat, je l'ai vu passer. T'inquiète pas, je l'ai vu. Il faut toaster les pains ou rien à voir? Oui, faut les cuire. Faut les mettre dans le four. Ah merde. Ouais, c'est chiant. Ou mais sinon tu les mets sur les plaques. Pourquoi vous les avez pas mis? Mettez-les dans le four, les gars. Il nous faut la vaisselle, Dwagby. Tu peux pas faire la vaisselle? Putain, les flemmards. Si. Merci. Ok, 2 hamburgers pour la 2. Maniez-vous 45 secondes. 45 secondes. Dwagby, fais les pains au four, s'il te plaît. Serre à quelque chose, s'il te plaît. Serre à quelque chose, Dwagby. Oui, c'est vrai. Mets les pains au four. Ça crame. Mais les gars, mais. Ils sont où les steaks? Ah, y'a un steak par vous terre. Vous êtes ridicule. Faut remake. Non mais les y'a un rat qui brûle. Y'a un rat enflammé, les gars. On a rien vu. Attends. Les pauvres quoi. Faut remake, c'est sûr. Ok. J'ai commandé du jambon, les gars. Est-ce que. Attends, non, mais les gars, y'a tout. Vas-y, moi j'ai parlé au client, j'en ai marre. Ça, j'en fais quoi ça? Y'a la cuisine qui est en feu, les gars, qu'est-ce que vous branlez, putain? Bande d'incapables de streamers de merde! On a quelques problèmes en cuisine, ça va être réglé d'un instant à l'autre, restez assis, messieurs! Restez assis! Ça va être réglé d'un instant à l'autre! Faut retenir les clients! Messieurs, vous allez être servis! Messieurs! Là, j'ai ramené du jambon, les gars, J'ai besoin de 3 Là, j'ai ramené du jambon! Attendez, y'a encore le feu! Attendez, commandez du jambon, les gars, let's go! Ça lui va pas. Bonjour, messieurs. Bonjour, est-ce que je peux vous aider?
Est-ce que vous allez bien, monsieur? Est-ce que ça va, monsieur? Vous êtes sûr, que tout va bien? C'est qui a un rat dans la main? Vous voulez un petit massage à la nuque? Allez, eh, quelqu'un peut éteindre le feu de cette cuisine? Mais c'est ce que je suis en train de faire! Voilà, monsieur. Cette journée va très bien se passer. Tenez, alors, on est là pour vous servir. Et à droite, il est servi, Greg. À droite, il est servi. Attends, lui, il a son petit massage du crâne. Voilà, monsieur, avec toutes les honneurs de la cuisine. Voilà. Un peu de crâne aussi, tiens, voilà. J'ai mal au cou. Attends, tu veux le raser? Viens, on le rase, attends, regarde. Je t'amène un rasoir, tiens. Attends, monsieur, je t'amène la mousse à raser. Parce qu'on fait coiffeur aussi. On fait barbier restaurant, c'est la nouvelle mode. Je t'amène. Tu m'en ramèneras rien, ta blague est terminée, frérot. Nettoie ce restaurant. Je ramèneras rien du tout. Allez, vas-y. Au boulot. Ok, tiens, frérot, j'ai la mousse à raser. Bouge pas, j'ai la mousse à raser. Oh, je vois que monsieur, vous avez pris le plat du jour. Attends, c'est très bon, beau plat du jour. Je vais partager un peu avec votre collègue. Faut remake. Okay. On tient le restaurant. Très beau plat du jour. On remake, il a cramé les jambons. Chacun son rôle. Chacun son rôle, bordel. Vous êtes nuls. Chacun son rôle. Moi, je fais les steaks, Black Beef et les pains. Et je donne des missions. Non, mais Ames, là, tout de suite, elle nous attribue un rôle. Maintenant, on respecte. Ames, ta cuisine a cramé. Voilà, je l'ai dit. Non mais comme ça on connaîtra le coupable. Qui fait quoi, MS? C'est toi qui décides, tu te mets où tu veux pour alors, avoir un regard sur nous. Oui. Avant qu'on commence. On t'écoute. Donc, Squeezie, tu fais des steaks. Ok. Toi, Gbi, t'assembles. Okay. Moi, je fais des pains. Okay. Et l'eau claire, il sert. Ok. Ok. C'est bon? Ok, c'est noté. Ok, c'est noté. Donc, Attends, tu peux me réinviter, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, je vais les inviter. Du coup, là, je suis le maître d'hôtel, moi. Là, quand tu dis burger, faut dire ce qu'il y a dedans, parce que moi, je connais pas les recettes. Hamburger, tu sais pas ce que c'est, un hamburger? Si, mais est-ce qu'il y a des cornichons, ou est-ce que... Non, il y a juste du pain et un steak. Ok, facile. Il y a un bouquin dans la cuisine, tu peux regarder si tu veux. Ok. C'est quoi? Ok. Bon, bah, lourd. Vas-y, go try hard maintenant. Par contre, les gars, si vous faites de la merde, moi je vais hurler. Allez, voilà. Mettez-vous prêts, on y va. Là, on est zéro blague, là ça a marché nickel. Là, on est un vrai restaurant. Ouais, moi je fais les steaks, les gars, mais tranquille, vous allez voir, ça va cuire à foison. Les gars, respectez un petit peu parce que MS, elle est venue, elle s'est entraînée avant, donc ayez le moins de décence, un peu de décence, s'il vous plaît. C'est gentil. Arrête de faire le mec, toi. Voilà. Je vais mettre du fromage. Bon, je mets les petits pains. Ferme le frigo, toi, t'as pris l'économie de l'énergie. Tais-toi, t'es vraiment un trou de balle, toi. On a rien vu de la règle 5 secondes. Bonsoir, vous allez bien? Bienvenue chez Hamburger et Party et Squeezie Nutrise, je sais pas comment on appelle notre burger. J'ai deux hamburgers et un cheeseburger pour la 2. Maniez-vous! Attends, okay. Faut couper le fromage. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai pris de l'avance là-dessus, c'est parfait. Okay. Ah, c'est récupéré, c'est très bien les pains. Parfait. Mais les direct sur la table quand ils sont cuits, les pains, s'il te plaît. Pas de soucis. Et on est trop bien. Pain. Ok, j'ai tout cuit, je peux aller aider Locke pour le service, les gars. J'ai tout cuit. Tiens, on est là. T'as dit? Il y a un pain par terre, les frères. Mais non, je te mets les steaks sur la table, c'est bon? Nickel, steak sur la table. Donc là, je te mets pain. Allez, hop. Hamburger prêt à partir. Allez, hamburger prêt à partir. Ok, je suis là, je vais l'amener au client. Allez, ça, c'est bon. C'est moi, ça va! Qu'est-ce que tu donnes? Voilà, et comme ça, il peut le finir lui-même. Il peut le finir lui-même, ça va finir à la maison. Attends, ramène le steak, il est à tes pieds, ramène le steak. Je derrière toi, à tes pieds. Bien sûr. Vas-y, mets-le dans le pain, mets-le dans le pain. Dans le pain, hop. Ok, va l'amener. Non, mais c'est le pire serveur. T'as rien vu. Prends ta bouffe et dégage. Ça a pas okay, vu. Bien vu. Les gars, il y a un rat. C'est un hamburger et un cheeseburger. Cheeseburger, c'est bientôt bon. Cheeseburger, c'est bientôt bon. Viande. T'apportes une assiette, doigt. Fromage. Les gars, il y a des rats en fait, et les gars. Deuxième morceau de pain. Non, je m'occupe des rats. Occupe-toi des clients, toi. Tu saoules. Voilà. Mec, les clients, ils attendent un hamburger. Les gars, j'ai tout fait cuire en une minute. J'ai trois nouveaux clients, maniez-vous, ça chauffe. Bon, vas-y, je vais assembler. Mais non, je vais assembler. Je passe en service. Attends, Locke, répète ce qu'il faut, s'il te plaît. Répète ce qu'il faut. Un cheeseburger, un hamburger. un hamburger, les amis. Vas-y. Mais gros, il y a des bébés rats. Mais fais cuire des pains, toi. Ils font des bébés rats. Attends, parce que c'était moi qui étais censé faire le pain, mais toi qui a abandonné son poste là. J'ai un burger, mais qu'est-ce que tu mets des rats sur les tables? Moi je vais vous demander deux cheeseburgers. Dégage-les, je vais lui donner un burger. Mais c'est qui qui a mis du pain entre? Non, c'est impossible. Qu'est-ce que vous êtes con, ma parole. Il en reste plus qu'à un servir là. Il reste juste le cheeseburger. Faites un cheeseburger, les gars, je m'occupe des rats. Cheeseburger. Il vole un pain, ce bâtard. Il vole un fromage.
Je m'occupe des rats, je m'occupe des rats. Tu de rien du tout, c'est ça ton problème en fait. Laisse-moi le pain. Tiens. Et tu il manque un morceau de pain. Mais il va manquer de pain. Attends. Tiens, normal, tiens, c'est les arrête rats. De les mettre dans cette poubelle là, ça ne marche pas. Faut les mettre où? Attends. Dans l'autre poubelle à l'intérieur. Mais tiens, viens m'aider à on a une livraison ici. Là. Tiens. Et qui non, les gars, qui fout la merde? Non, mais les gars, qui ça va faire mal. Non, mais vous êtes on va bien jouer sérieusement au moins une fois. Quelqu'un peut m'aider à déstocker le camion? Ouais, j'arrive. Oui, moi j'arrive. Mais c'est Dwagby qui fout la merde comme ça là. Mais je suis en train d'éteindre le feu, moi. Je sauve le on resto. Va perdre tous les clients, on a tout perdu. Vous êtes. Mais c'est la honte en fait là ce qui se passe, c'est la honte absolue. Oui, je sauve le resto. Mais frérot, tu gâches tout. Je sauve le resto. Non mais qui ruine la game là réellement? Comment il y a pu avoir du feu, les gars? Non, vraiment, c'est pas une blague. Bah, le feu, c'est forcément quelqu'un à la cuisson. Donc, les gars, tous devant le resto, on va relancer la game, mais on discute avant. Tous devant le resto, je veux tout le monde devant vas-y, le resto. Vas-y, vas-y. Je veux tout le monde dans l'arrière-boutique à côté des poubelles. Je veux tout le monde dans l'arrière-boutique à côté des poubelles. Il est pas dans la vraie vie, c'est ça son problème. Je veux tout le monde dans l'arrière-boutique à côté des poubelles. Non, mais là, faut qu'on se parle, faut qu'on se parle. Pas dans la vraie vie, moi je te le dis. Les gars, on se met en rond. Le mec qui veut donner des ordres. On se met en rond. J'ai jamais bossé en restauration de toute ta vie, genre. Mais viens là, toi, avec tes clients, mon gars, ils se sont barrés. Toi, tu m'as trigger. Viens là. On va discuter. Allez. Allez là, il y a que MS. Vas-y, viens, on attend que toi, Locke. Vas-y, je suis là, je suis en train de remplir le frigo, moi. Bah, viens dehors. On dirait que t'essayes de nous braquer, Squeezie. De vous quoi? De nous braquer avec ton bras. Non, t'inquiète, je le remets en bas. Ok. Mais qu'est-ce que vous faites? Ok. Comment on a pu se retrouver? Lâche ça. Comment on a pu se retrouver avec une cuisine en feu? Je veux un responsable. Allez. La communication, c'est important. C'est le chef qui est responsable. C'est le chef. C'est forcément le responsable de sa cuisine. Voilà, MS, à vous tout. C'est ma faute. À vous tout, c'est grave. Voilà. Il faut changer de chef dans cette équipe. Ouais, alors moi, j'ai proposé, on va chacun notre tour être chef. Ok. Ok. Le prochain chef, c'est Dwagby. Non, je suis pas prêt. Allez, on y va. Allez, on y va. Ok, mesdames et messieurs, chef Dwag, pour vous servir, très simple. MS, tu vas être à l'assemblage. Mon cher Squeezie, tu vas être en salle, tu es quelqu'un qui a le contact. Je veux vraiment que les clients passent un bon moment. Locklear, je te mets à la cuisson parce que tu as toujours eu le sens du détail. Locklear, cuisson, justement. Moi, je vais aller au pain. Je vous ai réinvité. Je vais aller au pain. Assemblage pour MS, Squeezie il au trop, service. Il est trop bien le jeu, il est trop bien. Donc, ce serait bien qu'au moins qu'on arrive à servir une table dans notre vie. Et les gars, on est vraiment des empotés. Hein. Les gars, comme je vous l'ai expliqué, vous voyez la table qu'il y a justement entre nous et le service. C'est sur cette table-là que vous posez les assiettes, c'est sur cette table-là que vous posez vos pains et c'est sur cette table-là que vous posez les steaks. Les steaks, tu les mets tous dans une même assiette et celui qui assemble récupère les steaks dans l'assiette pour les mettre lui dans son pain. Les steaks, en prenant l'assiette, ils vont voler dans tous les sens. C'est une idée de merde. Et c'est pour ça. Mais non, mais tu la prends jamais l'assiette. C'est, tu poses des steaks dans une assiette et elle les reprend la même dans l'assiette. Oh les gars, donc ça veut dire que si bougera c'est moi, jamais. C'est moi qui fais que la bouffe, c'est moi le chef. Oui. Eux. Bah non, rejoins la game. Il fait quoi Dwag? Je suis au pain. Dwag il est au pain. Ok, mettez-vous prêt. Moi je suis au service. Squeezie, mets-toi prêt, go. Bon, moi je suis au service. On a Locklear à la cuisson des steaks et on a AMS à l'assemblage. Ok. Ok, c'est moi qui gère. Mais faut aider MS. MS. De toute façon, moi c'était sûr, j'étais nul en chef. Oh voilà, et voilà. Non mais c'est bien, c'est dit. Et voilà, c'est bien. Au moins, on a tout ce qu'on a sur le cœur. Et voilà ce que vous avez créé. On part sur de nouvelles bases. Mais non, mais vous inquiétez allez, pas, je chacun le prends pas son... mal. Bizarrement, ça va être moi qui fais la cuisson, elle va jamais prendre feu cette cuisine. Bah bien, mais tout de suite. Une fois, c'est un bon chef. Allez, chacun son travail. Allez les gars, je m'apprête à accueillir les clients, faites ce que vous avez à faire. N'oubliez pas, prenez votre temps. Bonsoir messieurs, presse. Vous marchez très collés, vous m'avez l'air d'être très amis. Bienvenue à ce restaurant, que souhaitez-vous? Et on aide MS sur l'assemblage, on lui pose. Alors c'est quoi, commande, C'est un hamburger, deux bacon cheeseburger et un cheeseburger. Un hamburger, un cheeseburger et deux bacon cheeseburger. Allez. Ok. Oh, j'envoie les bacon. J'ai trois pâtis prêts là. Trois pâtis. Deux bacon, un cheese, un ham. Un pain. Je te mets déjà les assiettes alignées, comme ça tu galères pas. C'est lequel le bacon pour prêt le derrière. Hamburger. C'est moi qui sais. J'ai des rats dans mon navire. C'est toi qui sais, pardon. Il y a rien par terre. MS, bien joué. Alors. MS, je peux là, il suffit juste de les préparer. Ouais, bordel, j'ai des rats qui me prennent la merde. C'est pas normal, c'est vraiment pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal.
Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas ma faute, les rats, connard! Tous les pains sont prêts. Deux bacon et un cheese, allez, sortez-vous les doigts du cul! Il faut un assembleur! Il nous faut quelqu'un qui assemble! Squeezie, va aider à l'assemblage! Mais c'est pas moi qui dois assembler! Ah, pro! Eh, on est une équipe! C'est une équipe! Je veux plus jamais entendre, c'est pas moi! Je suis en train de. On est une équipe, si quelqu'un est en galère, tu fais l'effort pour lui, on est une équipe. Donc là, normalement, vous avez tous les éléments, c'est super la cuisson, il manque juste un steak. Je te le pose. Là, il y a le. C'est nickel, les pains sont prêts! Ok, j'emmène le bacon cheese, C'est ça, il est jaune, quand il est jaune comme ça, c'est qu'il est prêt. Ok, il manque un bacon cheese et un cheese, les gars, Vas-y là, hey. Assemblé, je suis pas assemblé. Ouais, c'est vrai, je vais... Oh bordel. T'as foutu un bordel, mon, j'ai tout vu. Okay, moins un sur Dwag. C'est que du fromage, Ça crame, là, oh. Non, cheese ou burger? Un cheese et un bacon cheese. Allez. Il me faut du bacon. Je suis en maintenance. Un cheese. Ok, un cheese. Attends, il y a le cheese là. Emma, j'ai tout vu. C'est toi l'élément problématique dans cette cuisine. Tu crois que je t'ai pas vu? J'ai rien fait. Et un bacon cheese, c'est envoyé. J'ai absolument rien fait. Le cheese est ready, ici. Et le bacon cheese est ready aussi. Vous avez assemblé le... Mais non, il manque une viande dans le cheese, les gars. Allez. Les gars. Mais vous finissez aucun burger. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui prend les éléments. Attends, c'est bon. Regardez sur le comptoir. C'est ici qu'il faut préparer. Il nous reste plus de pain, on a du pain ou pas? Il y a plus de pain, je peux aller recommander. J'ai un bacon cheese. Tiens, il y en a ici, tiens. Qu'est-ce que... Il manque quoi? J'ai commandé. Les gars, il manque un cheese et maintenant, il va me falloir autre chose. Il manque un cheese. C'est bon. Un cheese, 3 hamburgers et un autre cheese. Il me faut de l'aide pour décharger les camions maintenant. Le serveur de merde, s'il te plaît, viens voir. OK, 3 hamburgers et un autre cheese. Il nous manque tellement d'aliments. Stop. Videz le camion maintenant. On vide. Ok, c'est fait. On vide. Lâche ça! Ta gueule. Tiens, ton pain il est prêt. Et ton pain il crame, frérot. T'as un job. Ta gueule. Un job. Qui a mis du pain au four? Un cheese. Le cheese il est fait, les gars. Qui a mis du pain au four, les gars? Vous trollez. Ok, c'est quoi la commande? Comment on lance l'eau là pour la vaisselle? Le fromage, pardon. Extincteur? Ok les gars, la commande c'est 3 hamburgers et un cheese, 3 hamburgers et un cheese s'il vous plaît, on est débordés les gars, on est débordés en salle. Ok, j'ai 3 hamburgers ready moi. Ok, envoyez-moi 3 hamburgers et un cheese. Y'a plus qu'à assembler les gars. C'est bon, ok. C'est nickel. Il me faut du pain moi. Il est dans le carton, le pain. Voilà, pain ça se met à cuire. Oui mais il est pas cuit. C'est en cours parce qu'il y a eu un problème de... Qu'est-ce qui nous manque s'il te plaît, Squeezie? Il nous manque 3 hamburgers et un cheese et ensuite les gars, il nous faudra... Au total les gars, c'est simple, il nous faut... 2 cheese, 5 hamburgers et un bacon. Hamburger c'est bon, il y en a un. 2 cheese et 5 hamburgers, ok j'envoie le bacon. Bacon ready, hamburger ready, j'ai tout ce qu'il faut là les gars, hein, sur la table. Y'a un mec qui essaie de me bloquer, il est nul. Pain ça arrive, pain ça arrive très vite. Et pourquoi ça recrame direct? Non, ok, pain, un nul. Pain. C'est ok, les pains sont prêts, ça ne touche pas les pains, c'est juste le four, je sais pas, il est bizarre. Vas-y, je vais devoir faire ça avec vous parce que vous êtes... C'est nickel, les pains sont prêts, hein, les pains sont prêts. Le pain c'est une galère. Mais les pains sont derrière vous. Les pains sont sur la table. Moi. Les pains sont sur la table. Sous le lavabo. Je n'en peux pas. J'ai coupé en deux les pains. Ok les gars, il nous reste 3 hamburgers, 2 cheese s'il vous plaît. 3 hamburgers, 2 cheese les gars s'il vous plaît. Je suis en train de carry la game. J'ai des rats dans mon navire. Je suis en train de carry la game. Attends, hop. J'ai des rats dans mon navire. Mets un pain, on est bon. En viande c'est ok? Mais bon. Ok j'y vais, allez les gars, encore 4 hamburgers les gars. Allez on y va, du nerf, putain merde. On va manquer de pain. Tu fais quoi là? Aide-nous toi aussi là. Mais je fais que ça de t'aider. Il fait que ça en fait. Les rats. Un hamburger, un cheese. Allez. Attends. Un cheese les gars, on a 70 secondes où on perd la commande. C'est le bordel cette vaisselle. Mais cheese, fais la vaisselle tout toi. Tout est prêt. Elles sont où les viandes en fait? Où sont les fucking viandes? Les viandes sont là, regarde, quand elles sont prêtes, je les mets là, Squeezie là, tu vois, là. Cheese, tu l'as fait, c'est moi? Ok. C'est qui a commandé? Le camion est là, j'ai commandé du pain et tout là. Aide-moi. Ok les gars, c'est fait, les customers. Les gars, la table d'après, c'est compliqué, il nous faut un cheese de hamburger et un cheese bacon. Allez. Les cartons qui sont vides, dégagez-les. Il nous faut des pains. Porte les steaks. Les pains, y en a dans le camion. Ok, je vais chercher camion et j'ai envie. Et quand vous allez au camion, prenez toujours un carton deux vide. Deux hamburgers et un bacon. Deux hamburgers. On va faire la frise. On a une minute pour faire deux hamburgers et un bacon cheese. Allez, maintenant. Qu'est-ce que tu brûles? Qu'est-ce que tu veux?
Je fais que de bosser. Y'a plus de pain, mais putain. Dis-moi ce que tu veux, salopes. Deux hamburgers et un bacon cheese. J'ai trois hamburgers prêts là, hey, j'ai tous les trucs comme les pains arrivent, les pains arrivent. Deux hamburgers et un... Mais y'a plus de pain dans cette cuisine. Ils sont là, les pains, ils sont là. Ça bosse, ça bosse. Eh, putain, le carton de la viande, qu'est-ce qu'il faut au milieu de la pièce? Y'a du cheese par terre. Le rat. Les gars, vous trollez. On sait que c'est quand même vous êtes vraiment nuls. Et merde, putain! Il y a plus de pain, mais lui, il m'est. Les pains sont bientôt prêts. Il y a plus de pain. Arrêtez vous de prendre les pains blancs! Nul! Il y en a dans le camion, nul! Attends, il y a un pain par terre qui est prêt. Les gars, il y a du pain dans le camion, nulos! Les gars, on a perdu une table. Tu sais quoi, je l'abandonne, on l'aura pas, c'est sûr. Attends, c'était quoi la table? Cheese, carton, je le mets en dessous là. Ok, les gars. Pourquoi y'a des trucs, y'a des burgers frais? Deux bacon, un cheese hamburger. Deux bacon, un cheese hamburger. Deux bacon, un cheese hamburger. Les pains sont sur. Bacon, il a cramé. Le bacon a cramé. Les pains sont sur la table, je vire les cartons. Le bacon a cramé. Qu'est-ce que tu fous avec un carton de viande? Est-ce qu'il y a un burger à servir ou non? Deux bacon, un cheese hamburger. Laisse-moi tirer la viande! Hamburger, c'est bon. Fromage ici. J'ai le cheese. Laisse-moi tirer la viande! Mais il. Il me faut deux bacon et un hamburger. Deux bacon et un hamburger. Tous les hamburgers sont prêts. Hamburger, c'est posé. C'est breveté. Merci. Eh non, il manque un pain. Putain, il fait tout mal. Il fait tout. Attends. Bah si. Mais non, mais il y a les pains. Attends. Vas-y, mets un pain. Attends. Burger prêt. Merci. Burger prêt. C'est bien les burgers prêts. Il nous faut du pain. Burger prêt. Allez les gars, il me faut deux bacon maintenant. Il me faut deux bacon s'il vous plaît, Alex. Bacon, j'en vois. Mais pourquoi il y a ça dehors? Squeezie, t'es au courant qu'il y en a qui sont prêts derrière moi là. Derrière la cuisson, tout est prêt. Sale noob. Mais c'est pas prêt, sale bâtard. Il y a juste des gens qui doivent assembler qui font pas leur travail. Bah assemble. Mais c'est sûr. Assemble. Il en perd trop d'ingrédients pour rien, c'est. Putain, qui c'est qui a cramé mes burgers? Y'a plus d'assiette propre. Qui a géré une commande? Moi. Qui a fait une commande? Mais il faut du pain, ça manque de pain. T'as commandé du pain? Mais c'est toi qui en cherche des pains, sale blaireau. Bogos, j'arrive avec le pain. Justement, j'ai commandé les pains. Attends, je nettoie les assiettes parce qu'il y en a plus. Attends, les gars, le fromage, on a plus de pain, y'a le fromage. C'est pas compliqué. Y'a un rail. Je m'en charge, allez roule. On a plus de pain les gars, je peux pas servir les clients. On va perdre la table. Non mais le pain est prêt, le pain est prêt. Il faut deux bacon cheese ou on perd la table. Pain sur la table derrière moi. Travaux ou quoi? Pain sur la table derrière moi. Y'a du pain là, devant moi. Qu'est-ce que vous faites? Prenez juste le pain. Voilà. Il manque une tranche de fromage. Bacon, je t'en fais encore. Coupe du fromage, t'en supplie, coupe du fromage. Attends. Il manque un bacon cheese. Y'a du fromage par terre. Mais y'a le. Il est ready, frérot. Là. Mais fais-le, il veut dire qu'il est ready, sale chien. Non, bon, je veux pas tout faire. Je suis pas là pour ça. Laissez Locke en cuisine. Ne l'enlevez surtout pas, c'est l'élément clé. Nulos. Y'a pain infini sur la bleuta. Merci, Doug. Ramenez un bacon. Je ramasse les pains parce qu'on a plein par terre. Bacon ready. Sur la table. Hop. Il y a un steak par terre, je ramasse. On a eu la table, les gars, c'est bon, on a eu la table. Nickel. Ah, super. Nickel. Ouais. Allez. Doigt de capitaine. Bonne de nobs. C'est ça l'équipe, bravo à tous, tout le monde a fait mais là, on va avoir plus d'ingrédients, plus de trucs, là. C'est bien, les gars. C'est périlleux avec vous. Il y a quelques tensions. Les gars, si on fait un bilan, il y a quelques tensions dans cette équipe, clairement. Il y a un gros problème d'hygiène, j'ai vu de la bouffe par terre plein de fois. Il y a du feu régulièrement, il y a des trucs qui prennent feu. Et question, j'ai une question. Toi, t'en branles quoi là de tout ça? Alors là, en voyant alors la VOD, tu vas te sentir mal. J'ai pas quand arrêté d'assembler. Je vais vous dire où ça a merdé. Juste à me regarder. Je vais vous dire où transpirer. Ça a merdé. Ça a merdé. Moi, je suis censé prendre une assiette qui est faite et l'amener au client. J'ai dû faire toutes les assiettes. Voilà. Voilà, je le dis. T'es supposé T'es supposé aider à ranger, couper le fromage également, sortir les rats et nettoyer les. Je fais le service. Voilà, je m'occupe des clients. Je prends les commandes, je prends des assiettes, je les mets devant les gens et après hop, je mets ça au lave-vaisselle. C'est ça mon rôle. T'as cru qu'on était à 5 étoiles? Tu parles pas aux clients, c'est un fast-food ici, il roule. Mais alors, le client n'a pas le droit d'être respecté? Non. Le client n'a pas le droit d'être respecté? Roule. Allez, on va faire des pizzas. Cliquez sur Peter's hein. Pizzeria. Oh non. Oh, ça va être pire. Oh non. Ah oui, ça va faire que d'être pire. Je suis un pizza yolo, Donc, les gars, on a un problème d'orga parce que les assembleurs, vous faites pas votre taf. Tu fais pas ton taf. Donc on a un vrai problème d'équipe là. Je fais mon travail, simplement je dois moi-même assembler les burgers. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui c'est normal, oui. Alors vous savez quoi? Plus personne n'assemble, il y a que moi qui assemble. Voilà, c'est bon. Alors Non, là, on peut avoir deux assembleurs. Ouvrir la boîte à sauce.
Ouais, voilà. J'aurais pu attendre de gauche à droite. Tenez, c'est prêt. Voilà. Les assiettes, vous les mettez là, vous les mettez nulle part ailleurs, vous les mettez sur le comptoir, là, 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 là où je suis. Là, ok. Voilà, exactement, MS. On a de la pâte à pizza dans le frigo. Faut la mettre dans la machine. Ah, c'est Allô ça qui fait le bruit, c'est qui est là. Ah ouais. Ok. Ouais. Faut la pâte à pizza dans le frigo. La machine la mets là dedans et ça te sort. Ouais. Et ça te la sort. Allez, nickel, ça, c'est un travail pour Doig, ça. Et après, tu prends la louche, tu prends la sauce et après, tu la mets sur. Sur la pizza. Ok. Ok. J'ai rien compris. De rien. Tu viens de faire tomber la sauce dans l'évier. Mais non, elle est là. Oh merde. Mais elle est vide, mec. On a ah non, je vais commenter de la sauce tomate. Il a fait tomber toute la sauce tomate. Mais amore, vamos a hacer una pizza mozzarella y una diavola. Il veut quoi? Il veut quoi? Il veut quoi? Une mozzarella et diavola. On a déjà plus de sauce tomate. Tomate mozza. Je suis en train de commenter la sauce tomate. La pizza est prête. Allô. Oh putain. Une livraison. C'est mais quoi? C'est de la ouais, sauce. Les gars, moi tomate. Je veux des sauces. Moi je suis trop fort pour saucer. Je suis. Il y a un autre pizza carton, tomate en mozza. On est d'accord, c'est tout. Pizza mozza, pizza dialova, mozza dialova. On l'a vidé lui hein. Voilà. Eh, laissez-moi saucer. Je suis trop fort. Attends, je fais aucune erreur de saucerie. Mozza quoi? Mozza quoi? Mozza et une autre, une dialova. Allez. Tu l'as mis à l'envers. Il y a toujours de la sauce tomate. Mais. Oh, une mozza, attends, une diavola, deux mozza, une diavola. Allez les gars, allez d'une heure. Comment non, faut que tu. Toi, faut que tu le mettes là. Pour l'ouvrir, oh, la pâte de sauce. Mais il fait ses vraiment. Pizzas par terre, frérot. Non, mais attends, j'essaie de récupérer la pizza. Les gars, mettez-moi juste de la pâte, je vous les sauce à l'infini. Deux mozza. Et venez pas jouer vers ma sauce. Diavola, deux mozza, une diavola. Faut pas mettre. Non. Mais qui a vidé, vas-y. Je veux plus travailler avec vous. Allez, les sauces, c'est poubelle. Qui veut une sauce? Ok, tiens, j'en ai une, j'en ai une boîte. Faut que tu fasses clic 3, ouais, voilà. Hop. Bon. Prenez raté. Deux mozza, une diavola, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, qui gère la pâte, là? Il y a un vrai problème de pâte. Il y a un vrai problème de pâte. Tiens. C'est clic 3 pour... Ouais, mais c'est tombé sur la poubelle. Il y a un vrai problème de pâte, où sont la pâte? Les gars, c'est pas compliqué, on n'a pas servi une pizza depuis ce matin, faites quelque chose les gars. Les gars, faites quelque chose. Mais vous faites quoi? De mozza, diavola. Attends, je commande la pâte parce qu'il y en a déjà plus. Si, en la cocina que hacer un problema, si, no problema, no problema. Les gars, j'ai calmé les clients, j'ai vraiment besoin de vous. J'ai vraiment besoin d'une pizza. Okay, parce qu'on en a pas servi. Est-ce que tu peux dégager les assiettes à côté de la poubelle, s'il te plaît? Merci. Là, allez, mets là-dessus. Non mais je te jure, c'est... Oh waouh! Là-dessus, je t'en supplie! Je te jure que c'est plus dur que ça en a l'air! Let's go! Non, let's go! Ok, il nous faut une diavola dans moins de 40 secondes. Il y a mis la poêle dans le truc là! Hey! Prenez vos pâtes à pizza là, je vais devenir fou. Qui a mis la. Non, lâche ça! Je te jure sur ma vie, lâche ça! Mais je veux bien juste vire la poêle! Je vais péter un câble! Il faut que tu calmes dans cette cuisine si vous voulez calmer. MS, dis-leur! Ces enfants agités! Dis-leur quelque chose! Il faut que tu calmes! Pizza diavola, donc ça c'est des poivrons. On peut plus. J'ai remis des pâtes au frais si vous avez besoin, tocard. J'ai un autre carton de pâtes. Vas-y, ramène-le. C'est lui, c'est lui. J'ai fait me faire écraser par ce conducteur. Vois que tu fais n'importe quoi. Mais vous avez fait tomber la sauce partout, ça me rend dingue. Les gars, j'ai besoin d'une mozza et d'une diavola. Quand est-ce qu'elles arrivent? Ça y est, j'envoie. Putain, la mozza, là. Je commence juste mozza. Attends. J'en ai plus, faut commander. Oh, je l'ai sauvé un peu. Attends, j'en ai plus. Commande le fromage. Il y a une pizza qui va cramer au four là. Il y a une pizza qui va cramer au four. Tu la tires pas maintenant. Lâche ça. C'est bon, j'ai fait tes commandes. Elle est où? Putain, mais là. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Elle est buggée en dessous là, ma putain. Lâche voilà, ça bon, je l'ai débugué, elle est derrière. Regarde, elle est là. Ok, lâche. Allez, mettez dans une assiette. Il me faut une diavola si vous voulez. Je viens de tout. Tiens. Mais c'est je me fais déranger. Je me fais déranger. C'est toi qui me dérange en plus, Nulos. Tiens. Magnifique. Allez, il me faut une mozza, maintenant. Ça, c'est quoi ça? Récupérez-moi ça. Ah, c'est le shampoing, non? Les gars, il me faut une mozza, d'urgence. Attends, parce qu'on a plus de fromage. Si, c'est bon, je m'en occupe. Attends, attends. Allez, fais. Jamais vu des gens aussi nuls que vous. Mais pourquoi, mes frérots, tu n'as pas idée? Allez, les gars, il y a de la mozza là par terre, là, allez, putain. Je trouve que c'est plus dur que les burgers. Non, en fait, le problème, c'est qu'on est trop dans la cuisine. Dégagez de ma cuisine. Hey, tu te prends pour le pizzaiolo ultime ou quoi, toi? On est une... Je le suis. On est une équipe. Donc, dégage de ma cuisine. Squeezie, tu n'as plus le droit de mettre le pied dans ma cuisine. On ne jamais vu dans ta cuisine, ça chien. Les rats, sors les rats, Doig. Doig, on n'a pas besoin. Doig et moi, on gère.
Y a pas besoin de plus. Je vous jure qu'à deux, on fait tout. Ouais. Attends, je télécharge juste les cartons. T'as commandé la sauce? Ah non, j'ai pas commandé. Ah, c'est très dit. Une mozza prête. De toute façon, ils vont la renverser. C'est... Bien joué. J'ai commandé de la sauce. C'est fait la mozza, magnifique. Bien joué, les gars. Mets de la sauce, tu mets de la mozza. Ah non, je peux pas, faut que je vous mets les assiettes en place et gère le service. Donc fais-moi une prosciutto, deux prosciutto, s'il te plaît. C'est quoi? Avec du jambon. C'est quoi? Dis-moi. C'est avec du jambon, en plus. C'est où la cuillère? Je crois, mais je sais pas, mec. Mozza, ouais, tomate, c'est ça, c'est from. Mozza, tomate, jambon. Ouais. Je sais pas, moi. Brouille-toi. C'est quoi, ça? Ça, c'est du... Le blanc, c'est du fromage, le... Ok, les gars, plutôt que de... On vous met un tas de cartons, vous trouverez des trucs dedans, les gars. Ouais. Je te sauce tout ce que je peux, hein, mon ami. Non, mais attends. Bon, moi, je continue à télécharger parce que... C'est parfait, MS, c'est parfait. Allez, les gars, il me faut deux prosciutto là, je vous en supplie, les gars, pitié. Je peux plus. Quelqu'un arrive à choper ce truc, le bout. Voilà, monsieur, tenez, messieurs. Ok, Dan, merci, tu as débugué. Il me faut deux prosciutto, je t'en supplie. Il faut que tu le fasses, je suis bugué. Tu fais clic droit pour la choper, voilà. Et après, clic droit, un clic face. Mais MS, t'es en train de nous mettre en fight là, tellement tu commandes des trucs. Les gars, regardez, MS. Elle a acheté tellement de trucs. Clic droit pour la dégager. Emmett, attendez, mais j'ai pas fini. Mais on va faire faillite. Arrêtez. C'est bon, lâche. Bah au moins on aura du fromage à oui mais fromage, on va jamais gagner d'argent. Putain, mais c'est vrai que t'es trop fort. C'est pas la prosciutto. Attends. Si, c'est la prosciutto qu'il me faut. Ouais, mais là c'est qu'on vient de faire, c'est celle-là, Dwag. Ouais. Oh putain, mais hey, mec, je suis full bug. Ouais, je vois ça, mais vraiment là, qui. Regarde-moi toi, qu'est-ce que tu vas faire? Attends, pourquoi ça crache? Ça brûle, ouais, Dwag, je peux plus. Vous mettez à faire une pizza, les gars, c'est juste qu'est-ce pas possible. Qu'est-ce que c'est que tu fous les cartons au milieu du restaurant? C'est pas moi, c'est MS, c'est pas moi! C'est moi! Ils ont la serre quand même, un mec, il va manger cramé, un pasta. Vas-y. Sans le nombre de fois qu'on m'a filé une pizza avec une pâte cramée, frérot. Par contre, il faut la mettre dans une assiette, mon frérot. Ah, je disais bien qu'il était pas content. J'ai de la sauce tomate! Si vous avez besoin. Putain. Hey, MS, tu fous un bordel! Je peux plus être le yoloïste. Non, il y a trop de trucs, là c'est n'importe quoi. Je peux plus, je suis bugué. Je peux plus. On peut remake? Les gars, il me faut du prosciutto, s'il vous plaît. Il me faut du prosciutto, je vous en supplie, les gars. Bon, laisse-moi. Hey, vas-y! Transformation, je deviens le pizzaiolo, vas-y, vous me saoulez. Allez, donne-moi ça. Vas-y, prends la planche. Allez, mettez ce qu'il faut et moi je vais m'occuper de mettre au four. Putain, c'est pas compliqué. Dwagby, gère les clients, allez. Mets-moi ce qu'il faut sur une pizza là et je te la mets au four. Toutes les pâtes à pizza sont prêtes, y'a que ça. Attends, je dois mettre au four une fois que tout est dessus ou après que tout est dessus? Une fois que tout est dessus. Il faut quoi comme pizza? Non mais. Prosciutto, mais qu'est-ce que vous branlez? Non mais qu'est-ce que c'est que ce. Fromage, c'est bon. MS. Oui. Tu peux me virer les cartons vides, s'il te plaît? Oui. Mais laisse ça dans la. Non, ça c'est pas vide. Non, lâche, Dwag! Fais les choses bien ou tu les fais pas! Mais c'est pas grave, un carton dans le frigo. Les gars, prosciutto, elle est prête, s'il vous plaît. Ok, Makemon m'en occupe. Attends, je décache les cartons. La pizza est la bonne. Pizza. Ready to order? On vous écoute, messieurs, dames. Est-ce qu'on peut vous servir? Il me faut une deuxième prosciutto, les gars, s'il vous plaît, de toute urgence. Sinon, la première, je peux même pas la donner. On va perdre la table. C'est terminé. Voilà, on a fait le prosciutto pour rien. Tiens, prosciutto, voilà. C'est bon. Non, il me faut une diavola. Ah. Ça, diavola, c'est prêt. Diavola grenadine. Comment je mets la pizza dans une assiette? Il me faut de la pâte. Il faut que tu dégages la pâte. Pâte, c'est prêt. Mais c'est toujours le comment mec. Comment je mets ça dans une assiette? Ouais, voilà, on a un problème. Tu fais clic droit. C'est bon, j'ai réussi. Ok, les gars, il me faut une. Ok, il me faut une diavola, s'il vous plaît, d'urgence. S'il vous plaît, les gars. Oui. Attends. Diavola, c'est quoi? C'est quoi déjà? C'est les trucs marrons là et du fromage. Oh, de la mozza. Attends, je rajoute la mozza. Des pepperoni. J'ai la dalle. C'est bon, j'ai rajouté de la mozza. Attends, non. Ah non, j'ai pas mis sur la bonne. Attends, j'ai pas mis sur la bonne. C'est quoi ça? C'est la prosciutto, machin truc. Les gars, attends, allez, il me faut la diavola, s'il vous plaît. C'est bon. Diavola, c'est bon. Ok, vas-y, je la mets au four, bravo. Ah. Oh, non. Allez, s'il te plaît, dis-moi qu'on peut passer au niveau suivant. Out of time, les gars, on n'a pas réussi. Je déteste ce niveau, je le déteste, c'est pas grave. Ok, est-ce que, s'il vous plaît, je peux être chef de cuisine une seule fois? Vas-y, régale-toi, ça. Ok, régale-toi. Voilà ce qu'on va faire. Lock. T'es chargé de faire les pâtes, mettre la sauce tomate dessus et mettre les bons ingrédients dessus.
Ok. Attends, viens, viens, viens. Tu donnes les ordres quand on a le prochain resto. Je sais pas le même. Non, non, mais c'est ça, on va devoir faire la pizza, mec. Ah, c'est le même, ok. Ok. Moi, je dois mettre des trucs. Écoutez-moi, c'est Doig le meilleur. Ma capa pense à m'écouter. Non, non, non. C'est Doig le meilleur pour ça. Non, on peut tester quand c'est moi ? Histoire de voir ? On peut. Vas-y, testons. Vas-y, mais je te donne juste nos points forts et nos points faibles. Vas-y. Locke, et c'est quoi les points faibles? Tu veux en venir où? Je comprends pas. Aïe, aïe. Bah, t'es le point faible de notre équipe. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est dit en frontal. C'est, en fait, le blême, c'est ceux qui débordent de leur rôle et qui font des trucs qu'ils n'auraient pas à faire. Donc, je vais vous dire ce qui va se passer. Vas-y, je vais vous dire ce qui va se passer. MS, tu vas faire ce que tu faisais, c'est-à-dire tu fais des commandes et t'alignes les cartons de l'autre côté du comptoir au pied du comptoir. Ok ? Ok. Doig B, tu vas gérer le service et les commandes. Locke, c'est simple, ça. La pizza, du moment où tu fais la pâte jusqu'au moment où je la fous dans le four, c'est que toi qui gères. C'est que toi qui gères. Si t'as besoin d'ingrédients, tu t'adresses à MS. Si ça manque de fromage, de pain, de ce que tu veux, tu t'adresses à MS. C'est MS qui va te répondre. Ok ? Doig, c'est toi qui nous dis les pizzas en question qu'il y a à faire. Donc c'est toi qui va dire à Locke qui prépare les pizzas, tu vas lui dire Locke, il faut une margarita, Locke, il faut ci, Locke, il faut ça. Moi, je m'occupe de foutre les pizzas au four, puis de les foutre dans une assiette sur le comptoir. C'est bon? Ok, deal. Juste avant, juste pour être prêt, les trois pizzas qu'il y a, du coup, c'est mozza, donc c'est juste la mozza. Prosciutto, c'est pepperoni, fromage et la pâte, et la sauce tomate. Et la dernière, c'est juste du jambon, du fromage et de la sauce. C'est bon ? C'est bon, okay, Locke, vu que toi qui les fais. C'est bon. Non, mais de toute façon, Doig, tu vas me rappeler aussi ce que c'est. Tu vas me rappeler ce que c'est. À chaque commande, au bien début, sûr. Tu me rappelles ce que c'est, ok ? Bien sûr, bien sûr. Comme ça, on apprend. Donc, quand tu, par exemple, quand tu me dis une Diabolo et une. J'en sais rien. Tu me dis, il y en a une, c'est mozza, tomate, sauce tomate et, oui. et un truc. Voilà, t'as compris ? D'accord. Et quand je te demande ce que c'est, et Doig, les assiettes, là-bas. Doig, les assiettes, c'est à toi de les laver. Vu que c'est toi qui sers et qui récupère l'assiette sale, tu les laves. D'accord. Tu les mets dans l'évier, tu laves. Non, mais ça, on en reparlera après. Ok, mais tu sais donc que Squeezie, là, tout ton plan, il vient de tomber à l'eau parce qu'en fait, c'est à toi de tout faire. Avec la planche à pizza, je pourrais pas déplacer les aliments. Donc je vais passer mon temps à t'engueuler. Voilà. Mais tu pourras pas déplacer. T'as pas la planche à pizza, c'est moi qui les mets au four, mec. D'accord. Exactement. Et sache que pour mettre les ingrédients, il faut que tu me déplaces les trucs, la pâte. Donc on va s'embrouiller. Ben non, voilà. Ben non, tu me dis déplace. D'accord. Vas-y. Faut la bouger de la machine vers le plan de travail, c'est ça? Vas-y, ouais, c'est ça. Ok, bah tu me dis, je le fais, y'a pas de problème, mec, t'inquiète. Facile, okay. Tu peux lâcher aussi la planche. Donc, Doig, ta mission, j'insiste bien sur Doig B, ta mission, ouais. C'est donc de dire à Locke ce qu'il prends doit faire. Prends les commandes. Et servir, ensuite, c'est d'aligner, de faire en sorte qu'il y ait tout le temps deux ou trois assiettes propres bien alignées sûr, sur le bien comptoir. Sûr, bien sûr. Ok. Oui. Et d'aller laver les assiettes sales que tu récupères des clients. Bien sûr. Makebamos! Bien sûr. Allez. Ok, le plan Squeezie. V1. Plan Squeezie, c'est parti, vous allez voir les gars, meilleur resto italien de la ville. Allez c'est parti. Allez, bonne chance à tous. Allez, chacun fait ce qu'il a à faire. Bonjour, asseyez-vous, je vous installe. Attends, je vais peut-être mettre les assiettes quand même. Non ? Non ! Chacun d'accord, fait que non, ce qu'on non, lui a dit de faire. D'accord, je touche pas, je m'en vais. Je pars de cette pièce, voilà. C'est quoi la commande ? Allez, mesdames et messieurs, première commande, ça paraît pour ces messieurs. Qu'est-ce qu'on vous sert ? Bonjour. Oui, bah vous pouvez prendre toutes les pizzas du jour, tout est commande disponible. Très bien, messieurs. Avec un petit apéritif ou... Allez, c'est quoi ? Commande ! C'est quoi la commande ? Une mozza et une diavola. Ok. Une mozza, une diavola, donc la mozza, tu la connais, mozza c'est... Mozza prête. Avec... Ouais, bah voilà. Et la diavola, c'est avec les petits... Il y a de la mozza aussi, il y a de la mozza ou pas? Il y a effectivement mozza saucisse. Ok, faut commander mozza et diavola. Vous avez vos 4 assiettes derrière vous. Dis-moi quand la diavola est prête. Ready. C'est beau ça. Il faut commander pâtes aussi s'il vous plaît. Il faut commander tes pâtes. Il y en a dans le frigo hein. Bonjour. Oui, pas diavola et mozza, faut en commander. Allez, la mozza elle doit partir là les gars, la mozza elle doit partir, vas-y. Dégage-moi un plan de travail. Elle est dans l'assiette de droite, allez à toi de jouer. Nickel. Et voilà, on a déjà fait plus de pizza qu'en 2 games. Et une plan de travail, mozza, plan de travail. Bravo monsieur. Et voilà monsieur. Je suis là. Deux secondes. Faut que je commande quoi? Sauce tomate, mozza, diavola et pâte à pizza s'il te plaît. Ok, c'est bon. Pourquoi j'ai une autre mozza? Il me manque les saucisses là-dessus là. Oh les gars, c'est quoi ça? Une diavola que je vous ai dit. C'est pas une diavola ça. Putain, Locke, tu t'es planté. Les gars, vous faites quoi là? Commencez pas. Mais y'a les saucisses, non, y'a les saucisses, regarde. Y'a les saucisses, prends-la. Mais y'a pas, je la vois pas. Mais si, vas-y, amène. Prochaine commande s'il vous plaît. Diavola, voilà monsieur, une diavola monsieur.
Perfect. Je vous débarrasse, messieurs. Que es fluida el restaurante? Si, para la squeezy manager. Et voilà, c'est fin de service, messieurs. C'est fin de service. Après, là, tu prends de l'avance. Premier carton, c'est les pâtes. Celle-là. J'apporte le premier carton de pâtes. Là, ça sert à rien, y a plus de clients, les gars. Ah, mais si, il y a des clients à l'intérieur. Mais frérot, il y a masse de clients. Mais c'est toi, le problème, j'ai toujours dit. Doig! Il y a trois prosciutto, c'est avec jambon, mozza jambon. Plan de travail, s'il te plaît. Plan de travail prêt. Sauce tomate, urgent. Trois jambons mozza. Bonjour, messieurs. Et je te rajoute deux pizzas mozza derrière. Trois jambons mozza et deux mozza. Tomate. Allez, faut commencer à servir. Merci. C'est bugué, en priorité, putain. Les trois jambons mozza. T'es bugué, il faut qu'on se remplace. Attends, okay. Allez, attends. Non, c'est bon. T'apportes le trois fromage. Trois jambons mozza. Ça doit partir, messieurs, vous inquiétez pas. Bonjour, monsieur, je vais prendre votre commande dans un instant. Il y en a une qui est prête, il y a une pizza qui est prête là. Allez, okay, fais, je les mets au four. Elle part tout de suite. Mozza urgent. J'ai apporté le fromage, c'est à côté du comptoir. Donc, jambon mozza, je prends la chacola. Je peux pas la prendre. Si, prends-la, allez. Elle est buggée. Sauce tomate, faut commander. Ok, j'en peux pas la prendre. Vous en avez fait quoi de là? Vous l'avez pourquoi tu peux pas la prendre? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu arrives? Ok, c'est bon, j'ai réussi. Mais oui, fais ton taf, bon. Bordel. Ok, la prosciutto. Arrêtez de me gêner quand je suis autour du plan de travail. Encore. Ok, c'est une prosciutto. Ok, c'est parfait. À l'intérieur, ça manque. Il manque une prosciutto et deux mozza. Une prosciutto et deux mozza. Il suffisait juste, voilà, un peu de rigueur, bordel. Envoie la prosciutto en prio. Prosciutto, s'il te plaît. C'est quoi la prosciutto? C'est jambon. C'est toujours jambon mozza. J'ai plus de jambon, pardon. Ok, bah envoie les deux mozza. Juste des margaritas mozza. Une ready à cuire, s'il te plaît. Super. J'en veux deux. J'ai placé les assiettes. Je suis là. Messieurs, je peux vous débarrasser. Non, t'as visé à côté. T'as visé à côté, regarde, la mozza est à côté. Moi je la vois, c'est nulos. Commencez pas, c'est parfait. Sauce tomate, s'il te plaît, à commander. C'est bon, j'ai écouté. Jambon, mozza et c'est bon. Attends. Sauce tomate, t'en prends deux ou trois. Sauce tomate, c'est bon. Ah mince, j'en ai pris qu'une. Je vais en rajouter. Allez, on voit la mozza, nickel. Faut de la pâte, s'il te plaît. Attends. Plus droit. J'ai apporté la sauce. Qu'est-ce que t'as fait? Ok, nickel. C'est en carton. Merci. De rien. Et une pizza mozza, une. Je te fais la deuxième. Il me faut une deuxième mozza. Ah, j'ai une sauce tomate. J'ai plus de pâtes. Il me faut toujours la jambon, hein. Il va partir, il n'en peut plus. Tant pis. On n'a pas jambon. Je gère le ravitaillement. C'est qui gère le ravitaillement là? Ok, j'ai une autre prosciutto. J'ai une jambon et une saucisse. Une mozza jambon, une mozza saucisse. Et toujours. Allez, fais une jambon, une saucisse. J'ai deux saucisses, deux jambons, une mozza. Il faut nous aider sur les commandes, Doig. Ok, mais ok, j'envoie de la pâte. Je veux rien faire. Aide à livrer. Non. Aide à vider le camion parce que oui, si c'est le camion ça, est livré, mais voilà, on est baisé. Mais appelle-moi, mais appelle-moi, Imes. Il y avait une faille. Il faut que tu l'aides à délivrer. Mais oui, il manquait ça. Mais qui est le chef? Franchement, c'est parce que je voulais pas te déranger. Il faut de la pâte. Il manque de pâte. On peut plus servir les clients. Désolé. On peut commander de la pâte. Excusez-nous. Est-ce qu'on peut proposer peut-être un petit masse pâte, masse tomate en vrai? J'ai 8 pâtes qui arrivent. Je peux en faire une. Tu veux quoi? Deux saucisses. C'est quoi une saucisse? Saucisse mozza. C'est saucisse mozza. C'est une sorte de, c'est une forme cylindrique qui ferait, je dirais, 7 cm de diamètre environ. C'est quoi les saucisses? C'est quoi? Pepperoni? Ouais, pepperoni, bien sûr que c'est pepperoni. Envoyez. Dans l'assiette. Ah oui, ça doit cuire avant. C'est bon, j'ai la pâte. J'ai apporté la pâte. C'est un peu tard, mais vas-y, c'est ok. Je t'en envoie un max. Lâche. T'as visé à côté du truc. Je gère. Ouais, je gère. Juste laisse les cartons. Vire les rats, s'il te plaît. Ok, je vais les rats. Mais je les mets où les rats? Attends, c'est quoi? Tiens, Doig, il y a une pizza prête. Ok, la pepperoni. Non, elle me l'a sorti de l'assiette. Elle avait un job. Non, putain. Allez, Mess, tu bloques là! Faut que tu me la remettes dans l'assiette. Non. Mais c'est un truc de zinzin. Vas-y, elle est où la pizza? Elle est où la pizza, s'il te plaît? Elle est là, sauce tomate, sur le carton, s'il te plaît. Il me faut la sauce tomate. Hey, Mess, elle peut pas poser délicatement par terre. Pourquoi tu poses des cartons sur le. Il faut que tu me vires la bourrine, c'est pas mal. C'est bon, je te l'ai fait. Mon dieu, on va mourir. La pizza est toujours collée au carton. On a besoin de quoi, s'il te plaît? On a besoin de quoi, s'il te plaît? Toujours, mais je sais pas ce que je livre. Une diavola, une mozzarella.
une pause cuito, jambon, saucisse, celle que vous j'ai voulez, plus jambon. De mozza, j'ai plus de mozza, bordel de merde. Bien, y a que de la mozza. Mais y a un problème de ravitaillement. Y a un problème de ravitaillement. On a trouvé le souci. Pourquoi tu ravitailles petit à petit, prends beaucoup de ressources. Non, y a un problème. Là on est pris de court. Y en a un qui a mangé son teammate, n'a toujours pas eu sa pizza, c'est horrible. Je suis désolé monsieur, je remonte sans 27 cuisine. Secondes la mozza, vite, lock. Je n'ai pas de mozza, on va perdre le client. La mozza c'est la priorité dans une pizzeria. Les gars, on est en Italie, on peut pas manquer de mozza, c'est la honte. On ne peut pas manquer de mozza. Il faut courir avec Shift, j'espère que tu le sais déjà, MS. C'est aberrant. Tu cours avec Shift, j'espère, MS. Quoi? Elle ne courait pas depuis le début. Vire-moi les cartons vides au lieu de dire n'importe quoi, toi. Ok, bah c'est fini, on est mort. Les amis, je vous convoque tous à l'extérieur du restaurant maintenant, s'il vous plaît. Tout le monde est attendu à l'extérieur du restaurant. Je suis remonté. Je suis remonté. Locklear, viens là. Qu'est-ce que tu fous, toi, Boulos? Bon. Locklear en cuisine, c'était super, le travail était assidu, il y avait... Remettez-vous là. Quoi, vous voulez me cambrioler? C'est l'appartement de ma mère, non, j'ai là. J'ai envie de me barrer. Vous étiez super, Locklear, super. Assidu, vous pouvez pas vous empêcher de travailler, je suis en train de vous débriefer, vous allez jeter un carton. C'est ça qu'on veut, c'est des bosseurs comme vous. Voilà, des mecs qui flexent quand on leur fait des compliments, c'est ça qu'on veut, putain. Voilà. Dwanby, vous êtes une vraie raclure. Combien de gens ont mangé aujourd'hui à cause de vous? Mais ça manque. Combien de gens sont rentrés chez eux, bredouille? Je peux utiliser ma carte de défense? Note, TripAdvisor a baissé 2 étoiles à cause de vous aujourd'hui. S'il te plaît, vous êtes là, rien MS, foutre. MS, suis-moi, aidez... explique-moi ce que c'est ça. Oh non, MS, elle va pas bien. Non, mais explique-moi ce que c'est ça. Non, je dis ça, papa. Aidez MS, leur délivraison, entre non, quand vous avez rien à faire. Mais elle a oublié qu'elle avait une salle de stockage. Il y a une salle de stockage pour les aliments, pour pas que ce soit le bordel en cuisine, qui est ici. On pose les cartons là, quand on a besoin de pain, on vient récupérer. On a toujours un carton d'avance. Dès que ton carton de mozzarella est mis en cuisine, tu rajoutes un carton de mozzarella du camion, toujours dans ta salle de stock, comme ça on gagne du temps. Il y a que moi qui est posé dans la restauration ou quoi dans cette équipe. Mais attends, c'est quoi? Fais-le. Je suis secrétaire. On va envoyer MS au fond. Voilà, putain. Laissez-moi gérer les stocks. Je vais gérer les stocks. Vous êtes nul. Laissez-moi gérer les stocks. Nul. Laissez-la au contact du client. Je pense que. Allez, je vous ai invité. Allez. Moi, j'ai refait toute la game, mec. J'ai des biceps. Tu verrais à force de prendre la pâte, la mettre dans le four, la reprendre, la mettre dans l'assiette, mec. J'ai pas arrêté. Clac, faire ce geste. Qu'est-ce que vous êtes nul. Je suis vraiment le meilleur élément. T'es le pire élément de l'équipe. J'ai été démarché par une autre pizzeria. Locklear en cuisine, on a assuré, frérot, on a été nickel, nous. Je peux partir. Je vais prendre la défense de Dwag, c'est entièrement ma faute. Voilà. Je reconnais, c'est ma faute. Parce que c'est aussi de ma faute. C'est un peu de ma faute aussi, je dois l'admettre. J'aurais dû t'aider. Bah merci. Ça me fait non, mais j'ai pas osé demander à ce qu'on m'aide. Dwag et Locke, j'ai tout voulu faire moi-même. Bon, je confirme, c'est vraiment votre faute à vous trois. Dwag va t'aider de fou. Non, allez. On échange les rôles. Elle va au contact du client. C'est accessible, il faut juste prendre la commande, communiquer avec Locke et servir, ils sont assez rapides. Je vais gérer les stocks, vous allez manquer de rien, il y aura toujours tout à portée de main. Attendez, je dois refaire la game, j'ai un bug, je dois refaire la game. Parce qu'en fait, moi je vais. En fait, la technique c'est quand tu es au stock, tu écoutes les commandes, donc tu sais ce qui part, tu comptes tes mozza et t'as toujours de l'avance. J'aurai toujours un carton d'avance sur vous. Et aucun gâchis, hein. Il n'y aura pas genre un stock giga rempli, du gâchis à la fin, non, pile poil, c'est à la commande ici. Qu'est-ce que tu fais rien? On peut me faire inviter? Ouais, j'arrive les gars, je vous invite, j'arrive. Ah, merci. On était en discussion entre Unlock Busy pour savoir si tu méritais une chose. Ah, ok. Ça a été validé. Sache-le AMS, mais c'est ta dernière chance. D'accord, allez les gars, on y va. Allez, c'est bon, je t'invite. Je vous ai tous invités les gars, on y va, on fait une super game. Allez, chacun sait ce qu'il a à faire maintenant. Allez. Pourquoi vous êtes stylé comme ça? Parce qu'on a fait du bon travail. Alors on est allé faire du shopping ensemble. La pizzeria a cartonné. Je comprends pas les gars, vous me dites qu'il y a aucun bénéfice dans la société. Les proportions elles sont pareilles qu'elles, je te jure. Il n'y a aucun bénéfice dans la société et d'un coup je vous vois avec des nouvelles tenues et moi j'ai rien. Hey, oh. Remboursé. Faites du bon travail et vous aurez...
Non, mais on voit qui s'enrichit bon sur la crise. On verra si vous aurez une prime, ok? Allez, faites on voit du bon taf. Qui s'enrichit sur la crise. Allez, on alors là, là, on a. On gagne 125$. Alors, dégagez de ma cuisine. Toi, tu places les assiettes, tu prends les commandes et tu sers. Et je vais t'aider sur les assiettes. Eh les gars, le pire, c'est que Locke, s'il était cuistot, il serait vraiment comme ça. Il serait vraiment en mode dégagez de ma cuisine. Oh putain, allez. Voilà, c'est bien, regardez. Le silence règne. Double mozza. Le silence règne. Allez, on va gérer les stocks dès maintenant. Des nuls. Oula, oulala oh. Ma sauce tomate. Mais on n'a rien fait. J'en ai plus déjà. Mais on n'a rien fait, pourquoi t'as fait tomber ta sauce? Alors, Locke, on la sauce tomate urgent. Ok, ok. Locke, même si la sauce tomate est vide, tu peux piocher ta cuillère dedans, ça, ça marche quand même. Test. Menteur. Si, si, j'ai fait ça, marche, tout à l'heure. Ça marche, beau gosse, beau gosse. Ça marche. Bah oui que ça marche. Ça bug. Ça bug. Mais non, c'est bon, il y a de la sauce dessus. Moi, je la vois dessus. Dans tous les cas, j'ai un nouveau poteau. S'il vous plaît. T'as commandé, les commandes, s'il vous plaît. Ouais, ouais, ouais. Oui, pardon. Vas-y. Attends, j'ai fait une mozza, là, déjà. Une pizza mozza, deux pizza mozza. Ça, c'est une mozza. Je peux mettre deux fours, Locke. Trois mozza. Une pizza prosciutto. Il y a deux mozza. Trois mozza. Deux mozza et une prosciutto. Ok. Ok, prosciutto, c'est quoi, déjà? C'est avec du jambon. Je sais pas où te le mettre, Locke. Mozza jambon. Mozza jambon, sauce tomate. Ok, ready. Je t'ai mis ton pot de sauce derrière, Locke. Pâte, sauce derrière. Pâte, mis les assiettes. Pâte. Pâte, ça arrive, hein. Pâte, j'en ai plein. Nouveau carton de pâte qui arrive. C'est buggé, putain. Ça, c'est un mec qui gère les stocks, ça. Les gars, c'est buggé, mes pizzas, elles. Il me faut mozza, pâte, pepperoni et j'ai tout besoin. Putain, merde, j'ai fait quand même une pizza à cause du bug, les gars. Donc refais-moi une mozza, s'il te plaît, Locke. J'en vois. Pâte, c'est ici. Je te reprends les cartons vides, hein. Je te reprends les cartons vides, tu t'en occupes pas. Alors, mozza, je vais faire la première pizza. C'est deux mozza, c'est t'as dit? Ah, deux mozza et une jambon, elle est prête là. T'as plus qu'à les mettre au four et gérer. Ok. Pardon. Non. Pas en cuisine. Ah, la cuisine. Mais ce qu'on a fait en cuisine, cassez-vous. Pas la cuisine. Sortez de ma cuisine. Je fais la vaisselle, c'est pas grave, je la fais. Il y a une pizza qui va prendre feu parce que ça bug. Non, c'est bon. Tu peux par contre me virer les cartons, merci. Ok, allez. Je sais pas conduire ce mec là. Bon, c'est. Pousse-toi. Vas-y, dis-moi ce que tu fais là, j'ai besoin d'aide. C'est bon, c'est bon. Bah, j'ai vu mon four. Les deux margas, c'est bon. La prosciutto, elle arrive là. Ok. Après, Locke, n'oublie pas que t'as toujours un rappel des commandes en face de toi. Hein. Sur le tableau, là, il y a marqué pizza prosciutto. C'est ça, c'est un rappel, ça. Ah ouais? Ouais, ouais. Tu verras, ça va se remplir. Allez! Pizza prosciutto, c'est quoi? C'est quoi prosciutto? Ça bug. Avec du jambon. Ça, faut que tu gères avec ta serveuse. C'est jambon? Oui, c'est jambon. Squeezie, c'est ready, ça ou pas? La prosciutto, elle est prête. La prosciutto, elle est prête, s'il te plaît. Ok. Ensuite, il reste quoi en pizza? Attends, je vais dire ça tout de suite. Ok, prochaine commande, on est prêt pour la commande. Deux mozza. Deux mozza, ok, il y en a une qui est prête, elle part au four, elle part au four. Une et deux diavola. Je vais reprendre un peu de mozza, dégage, Squeezie. Deux mozza, deux diavola. Et ça bug. Deux mozza, deux diavola. Donc deux mozza et une diavola. Non, deux diavola. Deux mozza et deux diavola. Deux mozza en cours, deux mozza en cours. Attends, faut décacher les cartons là, non? Oui, ah, s'ils sont vides, je prends. S'ils sont vides, je prends, mais là, ils sont pas vides, messieurs. Placez vos éléments. Attends. Mais tu mais. Je. Il me faut de la mozza. Mais arrête de ramener les il cartons. Il faut de la mozza. Les rats sont en train de tout bouffer, toute ma mozza. Oh non. C'est tombé bien, je l'ai commandé à nouveau. Comment hostile? Ah la mozza, je suis short, jambon, je suis short, pepperoni, je suis short. Mozza, c'est déjà là. Mozza, c'est déjà nouveau. Nouveau carton de mozza, je te reprends lui. Ok, oui, vas-y, c'est prêt. Toi, tu mets au four et tu te tais. J'ai que des bugs, tais-toi, j'ai que des bugs, mec. Oui, je sais. C'est quoi, diavola, s'il vous plaît, rappelez-moi. Diavola, c'est quoi? C'est que les pepperoni, la sauce tomate et la mozza. Locke, regarde à gauche, je me suis fait un frérot, regarde. Regarde, Locke. Une ready. Eh, toi, tu crois que j'ai pas autre chose à foutre? Bah frère, je te présente un ami et en fait tu me chies à la gueule, je trouve ça très limite. Les gars, il manque une assiette sur le... C'est bon, je termine une mozza là qui est prête. Ok. Ok, t'as la mozza sur la table. Une diavolo prêt. Mais bouge de là. Toi, bouge de là, frère. Je vous remets les pains ici, la pâte ici. Non, s'il te plaît, casse-toi de cette cuisine, s'il te plaît, dégage. Sortez de cette cuisine, les gars, on en chie là. On en chie en cuisine, dégage, s'il te plaît. Ok, qu'est-ce qu'il te faut comme pizza là, s'il te plaît? Là, c'est bon, tu peux la mettre, c'est bon. Mozza, une mozza. Et deux diavolas, les diavolas en priorité. Les deux diavolas elles arrivent, les diavolas pas, elles arrivent. T'as pas besoin, Squeezie. Tu te tais, je gère les commandes, toi tu mets au four. Ta gueule. Est-ce que vous avez du carton vide là?
Il y a plus d'assiette, je peux pas traiter les pizzas parce qu'il y a plus d'assiette propre. C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Si t'as mozza, si t'as les pepperoni, mais c'est à toi de faire les assiettes propres. C'est toi qui fais le service. Et tu vois, il y a pas. Heureusement que j'envoie des pâtes, hein. Elles sont déjà là, gros. Elles sont déjà prêtes. Beau c'est gosse, même moi qui te les envoie, gros. C'est même moi qui te les envoie. Sors de ma cuisine, Ames. Sors. Mais on me dit de nettoyer les assiettes. Non, sors. Je gère. Mais sors. Tu gères rien. Merci. Du tout, gars. J'ai pas une assiette pendant un siècle. Ames, les deux diabolas que tu voulais, elles sont prêtes. Qui a mis du jambon et merde, bordel. Tiens, allez, c'est pas moi. Je promis, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non. Allez, va donner les deux diabolas et dis-nous ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qui vous manque? Diavola, j'ai plus de pepperoni. Et merde, ça peut se chiffre pour courir. Regarde les cartons ici, t'as tout ce qu'il te faut. Ça y est, merci. Carton vide, je reprends, ça repart derrière. Bouge de la boulette. Celle avec le jambon, j'ai de la boulette. C'est bon, je l'ai mise. Non, ici, j'en veux pas de celle-là. On en a pas besoin. Mais tôt ou tard, le jambon, tu peux la dégager. Déjà, ça. Ouais, celle-là, tu peux la mettre par contre. Pas trop délai. Jambon, t'es sûr, je dégage. Je la dégage. Oui, dégage. Poubelle. Tu sais quoi, je la mets sur la table d'un mec quand même, histoire de. Mec, tu peux m'amasser la pâte par terre, il me faut de la pâte. Il y a déjà, je suis avec un carton en main, j'arrive tout de suite. Je te l'ai fait, tiens. Merci. Oh, je t'ai même fait. Et je t'en lance toujours une ou deux en arrivant. Magnifique. Okay, il faut quoi comme quoi pizza, s'il te plaît, Mess? Mozzarella. J'ai plus de mozzarella. Mozzarella et Diavola. Les gars, on m'a volé le mozzarella, truc. Mozzarella, 50 secondes. On m'a volé le truc des pizzas. Tu vas le trouver, il vient de disparaître de ma main. Il est quelque part. Les gars, t'inquiète. Y'a des rats partout, putain! Il est là. Tiens, squeeze, t'es où? Mais sale chien, bah tu me l'as volé! Mais t'es par terre, je suis en train de te sauver la vie! Ok, je dois faire quoi? Je mets quoi au four? Tu perds ton seul contrôle! Une diavola! Une margarine diavola! Y'a des rats partout! Une mozza et une diavola! Mozza, c'est moi, je ramène de la nouvelle mozza! Fais-moi une mozza, Loc! Ça y est, c'est fait là, celle-là là! C'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là! T'as de la mozza derrière toi, il en faut une deuxième! Je t'envoie la patte, bouge pas, bouge pas! Bouge pas, t'entends? Et voilà! Tu m'en as ruiné une! Tiens, mozzarella! Y'a une mozza prête. En plus, elle était pas depuis 3 quarts d'heure. Y'a une mozza prête. Et la diavola, elle est prête. Et je te mets la deuxième mozza au four là actuellement. J'ai un rat qui est en train de me prendre ma mozza! Je te mets juste un petit pot de sauce ici, prêt à être ouvert. Non, tu dégages avec ta sauce! Non! J'ai pas demandé. Ok, mais t'as juste un petit pot d'avance, Oui, mais je veux une mozza. Ok. J'ai plus d'assiette. Mozza, vous en avez dans les cartons devant vous. Une assiette, s'il vous plaît, une assiette propre, s'il vous plaît. Une mozza ready. Je vais la soutenir à la vaisselle. Tiens, vas-y, serre la mozza. En même temps, je fais le check. Et le mec qui fait la vaisselle, il sort plus jamais, je te le dis. Attends. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Deux mozza après. C'est bon. Ok, qu'est-ce qui nous manque maintenant? Il manque encore une... Une mozza. Et? Et quoi d'autre? Deux mozza et une prosciutto. Ok, je te donne déjà une mozza. Prosciutto, rappelle-moi s'il te plaît. C'est avec du jambon. Ok. Une mozza bonne. Mozza. J'ai... Non. C'est bon. La deuxième mozza est bonne. Ok. T'arrives à bouger la patte, frérot, j'y arrive plus. Beau gosse. Elle est full bug, il nous faut de la patte oh en non, plus. Non, c'est bugué. Il y en a une là. Non? Ah merde, j'ai pas. Elle est full bug, toute notre patte est buggée. À chaque fois, il me fait perdre mon truc à une patte par terre. Ok, je ramène de la patte. Il y a des pattes par terre, tiens, prends les pattes qu'il y a par terre, Loc. Ah mais non, attends, tu peux non, pas. Non, attends, ramène-moi le truc. Déjà, laisse tomber. Ne vous inquiétez pas, j'avais anticipé, j'ai commandé deux plats de pâtes. Doig, tu m'as fait perdre mon truc pour prendre les pizzas, je t'en supplie. Bah, je vais le reprendre. Doig, mets pas les pâtes. Doig, il est où le truc? Attends, je vais te le retrouver. Il faut une prosciutto. Vraiment, une prosciutto incapable. Une mozza. Tu me tapes, je l'ai plus. Et une mozza. Mais garde-le. Les gars, prosciutto ready. On ne peut plus. Pourquoi? Je sais pas où elle est. On ne peut plus de servir de pizza. On ne peut plus. Je n'ai plus. Si. Je n'ai plus le truc à cause de Doig. Arrête de dire je n'ai plus et cherche. On va le trouver. Je n'ai plus le truc à cause de Doig. Il est où? J'avoue, là, je le vois pas. Il est pas 42 secondes pour la mozza. Non, mais t'en as fait quoi, Squeeze? Ouais, mais c'est mort. 98 pour la prosciutto. Il est quelque part. Putain, mais on était tellement bien. Putain, non. Attends. J'ai une idée. Est-ce que je peux enfermer quelqu'un ici ou pas? Là. Ça sert à rien. On peut pas avoir le truc. Il est où le truc? Je l'ai. Jure? Je te crois pas. Non, c'était pas ça. Attends, on va le trouver ce truc. Il est bugué dans le tableau, il est bugué où, putain.
Il a disparu, il a traversé le mur en fait quand, quand t'es rentré dedans, Dwag. Oh non. Tu peux pas en avoir un autre, genre, c'est... tu peux pas en demander un autre? Non. Faut qu'on remake? Non, c'est trop bien, mec, j'avais du stock en permanence. Oh non, les gars, de toute façon, on peut se dire une chose, hein. C'est qu'on vient d'ouvrir la meilleure pizzeria de la ville. Et pour ça, je pense qu'on peut s'applaudir, bravo, les gars. Ah, ouais, mais on a. Non, je suis trop fort. Les gars, on vient de voir la meilleure pizzeria de la ville. Et pour ça, je pense qu'on peut s'applaudir. Bravo. Ouais, bravo. Il est derrière le four, à ce qui paraît. Mais y'a rien. Regarde, y'a rien. Non. C'est fini les gars. Les pizzas à concombre, la pizza de la mama, ça c'est un couple de pizza de la mama, je vous le dis. Alors, direct. Il y avait une gestion des stocks juste parfaite. Il nous reste rien. Attends, peut-être qu'il est parti là-bas. Les gars, c'est mort. Les gars, à la recherche du. Les gars, c'est mort. C'est mort. Mais il y a une gestion incroyable et je pense que si on ouvrait un resto dans la vraie vie, ce serait un banger absolu, les gars. C'était magnifique. Quel team de fou. Eh, les stocks, c'était. Voilà, là, c'était géré du. Non, mais les gars, c'était ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble, c'était merveilleux. C'était de l'art. Tous les Italiens devant la vidéo, tu sais ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben ils ont mis leurs mains comme ça et ils ont dit mama mama. Pizza de la mama. Ok, bah bravo à tous. Il est dingue, qui voulait jouer toute la nuit, c'est typique les jeux qu'il aime. Non, mais moi je voulais finir au moins. Ben ouais, mais en vrai de vrai les gars, on a fait 100$, fallait qu'on aille à 130, on aurait fini. On était trop bien. Mais non, t'as lâché la. Mais j'ai pas lâché, c'est Dwagby qui est rentré dedans là, il vient encore en cuisine. Oui, parce que Dwag il ruine, mais bon. Mais quoi, je suis celui qui. Je sais pas, vous avez paniqué sur un truc de pâte, c'est pas mettre une. Les amis, dans le... j'aimerais bien qu'on élise l'employé du mois avant de passer au jeu suivant. Mais c'est moi. Là, faisons juste un vote, vas-y. Juste regardez les stocks, regardez juste les stocks derrière. Tout le monde dehors. Hop, ton tableau est à la poubelle, trou du cul. Allez, tout le monde dehors. Dwagby, on t'attend. Juste. Ok. Ok, il est temps d'élire l'employé du mois. Qui c'est selon vous? Moi, j'hésite entre Locke et Dwagby. C'est moi. Pourquoi pas moi? Parce que t'as rien fait à part tenir une planche. Mais frérot, c'est l'unique tâche habile à faire. T'as rien fait. Mais frérot, j'ai tout fait. C'est l'unique tâche habile. Et regarde où on est. On n'a même pas fini à cause de toi. Dwagby, miracle. Dwagby, pour toi, c'est qui l'employé du mois? Miracle. Il a la planche. Miracle. Comment il est mort? Il a caché son poing. Fais gaffe, j'ai une assiette sale, ça refait pas de temps. Dégage, Dwagby. Tiens, une mozza, c'est prêt? C'est beau. Attends, j'arrive pas à la. Ah, c'est bon. Ok. Attends, la mozza. J'en ai une autre mozza là. La diavola, c'est prêt. Donne-la bien à la table de la mozza, s'il te plaît. Je te fais une diavola. Il me faut une diavola. Diavola ready. Ça part direct. C'est une prosciutto celle-là. J'ai tous les ingrédients en double. Attends, t'as une diavola qui arrive dans. Il s'est trompé ce con? Non. Allez les gars. Envoie, c'est pas grave, envoie. Y'en a deux des prosciutto à faire. Bah non. Si, y'en a deux, allez, c'est envoie. C'est marqué sur notre tableau. Il a raison, faites confiance à votre chef. J'ai toujours raison. Mais oui. Ne doutez pas. Ah oui, c'est là, ok. Ok, remets-moi une assiette s'il te plaît quand tu reviens. Je donne une assiette. Ouais. Mozza s'il te plaît. Non, c'est bon, y'en a assez. Attention, Squeezie, là-bas, tu vas. Là-bas, il y a une prosciutto, là, si tu veux. Regarde, là-bas, au bout, là. Mozza ready, il y en a une. Oui. Ah, mozza ready à mettre en four. Attends, bouge pas. Elle pète dans le plafond. Vas-y. Attends. C'est bon, je l'ai. Putain, les gars, on se volait des pizzas par la concurrence, je vous le dis. Bon gosse, j'ai tout vu là, c'est magnifique. Allez, magnifique, c'est bon. Mais non, je te jure qu'à deux, on a tout fait, gros. Mais de quoi tu parles? Ils ont trollé, mec. J'ai vu ton micro-management à la fin, t'es un génie, mec. Je te fais de l'espace, je te libère. Le mec, il est accroupi dans un petit coin pour gêner personne. Il mettait le pain dans un seul carton, mais quel génie. Pour récupérer l'autre carton vide, pour pas que tu perdes. Un giga, et toi aussi, mec, t'es un monstre.
Je te jure que sans toi, cette cuisine, elle tourne pas, gros. MS, sans toi, on n'aurait jamais réussi à atteindre cet objectif. Bien joué, MS. T'es la boss, t'es la meilleure. Non, c'est vous qui avez participé à tout ça. Exactement, MS. C'est moi et Dwag. Tu peux dire, MS. Hein, c'était un travail d'équipe. Exactement, c'est l'équipe de moi et Dwag. C'est vrai qu'on fait un bon binôme de... On était vraiment un bon binôme. Les gars, non, j'avoue, j'étais un désastre. Est-ce que je suis élu quand même employé du mois pour avoir sauvé le restaurant quand même? Game sur. Non, mais y a plus, on a fait toutes les maps, les gars. Y'avait que la pizzeria et les burgers. On est des boss, c'est tout. Bravo, MS. Y'a plus rien, c'est fini. Bravo, MS, très fort. MS, sur la fin, t'as su trouver ta place au sein du restaurant et t'as été incroyable. Merci, c'est gentil. Bravo pour ça. GG. C'est plus sur le stock. Mec, j'ai kiffé, j'ai envie de retourner dans des stocks. Ouais. J'ai envie d'ouvrir un restaurant, mec. Ah, j'ai kiffé. J'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire IRL. Tiens, on fait ça IRL pour de vrai. Venez, après le GP Explorer. 24h, une pizzeria Log Busy. Pourquoi pas au GP Explorer, on se retrouve. Voilà, après on va être occupé. Comment ça au GP Explorer? Hein? Non, après le GP Explorer. Attends, comment ça au GP Explorer? Non, attends, sans rire, viens, on ouvre une pizzeria. Tu veux ouvrir une pizzeria? Ouais, viens, on le fait. Non, moi je parlais temporaire, genre 24h, 48h, une semaine. Vas-y, 24h, on fait un vrai restaurant. On loue un restaurant et on fait le. Et on fait tout le service et on fait ça IRL, genre en cuisine tout IRL. Exactement, ouais, je suis chaud. En vrai, ok, donc on fera avant GP Explorer alors. Ça sera forcément avant. Oui, bien sûr. Oh, je t'ai eu. Donc ça veut dire qu'il y a. Attends, mais. Non, mais avant GP, ouais, on fait ça unique. Je t'ai eu, mais. Attends, j'ai cru le GP du Japon. Wow, non, parce que c'est la semaine prochaine, c'est pour ça. Regardez le mastermind. Du Japon, du Brésil. J'ai cru avant que j'ai fait du Brésil. Le mec est perturbé, les gars, je suis dans sa tête. Je suis dans sa tête, je crois qu'il a leak. Bon, allez, les gars. Pas, qu'on sait pas. Allez, lance au format, faisons ton part. Merci MS, merci d'être venu. Bon, merci à vous. Merci MS, France Antoine. Bonne soirée. Merci pour tout, gros bisous.